que vous alliez vous vous dites, ici est tombé mon cousin, c'est très bien. C'est vos pilotes, et son nom est été tué et jeté quelque part. Ça fait très mal. Je sais que moi, je ne peux pas retenir que Dieu, mais je suis un homme de la pas seulement pour la GIA qui avait sauvé la voie principale, mais par un vendeur qui a tué les marines et les fils, mais aussi contre l'État qui les a abandonnés à une violence indicible et a parfois participé activement à la scène. Vous trouvez ça normal que des gens aient été tués à deux pas du commissariat de police sans que personne ne bouge? N'est pas droit. Comment pourrions-nous avoir confiance en l'État? Les soldats allaient tuer des paysans dans les hameaux et les faisaient passer pour tous qui violaient les gamines. Ici, il n'y a pas que la guérilla ou les paramilitaires ou seulement les militaires. Tous à la fois nous ont fait du mal. Ils doivent tous répondre de leurs actes pour que nous connaissions réellement la vérité et que la justice soit faite. Bien, Anderson. Vérité, justice et réparation. Les victimes colombiennes veulent se sortir de la misère dans laquelle la guerre les a maintenus. Concrètement, nous voulons des centres de santé, des écoles, des exploitations productives, des... de ce nom des routes en bon état, que nous puissions vivre dignement. Moi, par exemple, j'ai dû fuir à la ferme il y a 10 ans et je n'ai pas pu revenir à cause des mines antipersonnelles. À quoi peuvent servir les miettes de pain que l'État souvent se contente de nous donner si j'ai une ferme abandonnée où ne pousse plus que de mauvaises herbes ou la maison est détruite? Cela doit être clair. Nous sommes des victimes, oui, mais nous voulons passer du statut de victime à celle de citoyen à part entière, doté de savoir, de droit et d'envie de vivre. Voilà ce que nous voulons. Alors seulement Gloria, Teresa et les autres pourront lever les yeux de ces photos qui couvrent les murs de leur musée et regarder leur montagne sans y voir surgir des fantômes. Colombie, jusqu'où pardonner pour faire la paix, un grand reportage de Zoé Berry, réalisation Eva Monchinski. Et à l'issue de ce processus, malgré une loi qui prévoyait des remises de peine, il y a eu des procès.
succès et parfois de très lourdes condamnations, mais beaucoup des plus hauts responsables sont passés entre les mailles du filet et leurs victimes espèrent que le processus de paix en cours avec la guérilla permettra enfin de parler non seulement de ce que la guérilla a fait, bien sûr, mais aussi de ce que beaucoup de militaires et de dirigeants politiques et économiques ont envoyé faire en réponse aux enlèvements, aux attaques. La Colombie est tentée en permanence par l'oubli, mais il y a un filet de sécurité qui n'existait pas avant, la Cour pénale internationale, qui garde d'ailleurs le pays dans le collimateur. Ce sera le mot de la fin, Zoé Berry. Merci beaucoup. Au micro, Laurent Salto, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Et travaillons à la côté des choses. Exceptionnel dans couleur tropicale. Au nom de la réconciliation, Tiki et Jaffa Colis sera notre invité. Nous parlerons en Côte d'Ivoire d'Alpha Blondie. Filiation quoi? Et tout ça en France. Les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Yes, ça a été une Jaffa Colis pour la tropicale. Couleur tropicale. Pour Claude Fiard. Aujourd'hui, à partir de 20h10.